Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce Shadowplay sur FTB Pyramid Infinity. Non, FTB Pyramid Riverborne tout court, pas Evolve Skyblock, tout court. Dans l'épisode d'aujourd'hui, regardons ce que j'ai fait. J'ai appris à notre petit système à faire du Tectonic Petroleum Bucket de A à Z. J'en ai déjà un bucket, il nous en faut 50. Je crois que c'est 50. On va vérifier deux fois. C'est combien? C'est 50 buckets. Très bien, puisque j'en ai déjà un. À la limite, on peut même tester pour voir. Hop, toi à l'intérieur. Je vais nous faire du 49 et pas du 1. Parfait. 1000. Donc il nous faut encore 49 buckets de Petroleum Dust. Sachant qu'on a les ressources pour. On a les ressources pour. C'est prêt. Tout est prêt. Alors, Petroleum Dust. Nous allons en faire 49. 49. Voilà. Et vous nous craftez 47 buckets. N'ayez pas peur. Surtout toi, Tétard. Hein, ou un coinque. Clin d'œil, de toute manière on les utilisera derrière pour faire des fluides sel, les buckets. On a tout ce qu'il nous faut. Start. Et c'est parti. Et on va créer tout le pétrotéum nécessaire. Alors je pense pas qu'on aura suffisamment de basalte. Parfait. Pour le moment il va nous créer tout ce qu'il nous faut, tous les buckets. Le pétrotéum va attendre pour le reste. On va voir tous les buckets qui vont arriver, qui vont se stocker quelque part là-dedans. J'ose espérer. Si tout se passe bien. Et je serre les dents. Comme si ça allait servir à quelque chose. Wait on another task. Un tectonic petroleum bucket en cours. Ah bon? Ah oui. Très bien. Hop. Il me met les 4 dedans. Voilà, donc il va me le faire au coup par coup en fait. Parce que je les ai mis en bloc. Pour éviter qu'ils puissent se mélanger. Et qu'on se retrouve avec des trucs qui ne serviraient strictement à rien. Qui nous bloqueraient la machine. Donc en soi, voilà. Ils ont tous des petits coins en Ardend. Parce que j'ai mis une speed upgrade. À l'intérieur de chacun. Et une augmente de speed upgrade. Pour parce que... j'aimerais qu'on se penche sur le problème du signalium. Ça pourrait être sympa d'en faire. On va avoir besoin de 3 pulverized copper, 1 pulverized silver, destabilized redstone bucket qui est un destabilized redstone qui est un bucket plus 10 redstone. Donc 7, 8, 9, 10. Bucket. Ça le bucket c'est bon, je pense qu'on sait le crafter. On va en faire un parce que malgré tout, eh ben, on va les remplir, on va les avoir 50 remplis, mais ils vont pas tous être faits quoi. Alors, un bucket plus 10 redstone, ça va nous faire de la destabilized redstone. Destabilized redstone bucket. On va faire ça plus ça. Voilà. Parfait. Donc on a de quoi faire un bucket de destabilized redstone. Copper ingot. Silver ingot, bien entendu. Oh, quoique on n'a pas besoin maintenant. Ce qui est bien avec lui, c'est que quand je vais lui dire, par exemple, signalium blend, eh bien, il va tout de suite savoir que le pulverized copper, si je vais le passer dans le pulverizer, eh bien, il faut faire copper ingot pour pulverized copper. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Par contre, on va le refaire, mais sans le blocking. Hein. Vu qu'il n'y a qu'un seul input. Alors, le blocking, c'est celui-là. Parfait. Hop. Pour le signalium, il nous faut aussi du pulverized silver. Pulverized silver, qui vient de la pulvérisation du silver. Parfait. Puis le craft de tout ceci. Parfait. Et toi, ensuite, tu n'es plus qu'une cuisson avec du sand, par exemple. Voilà, parce que toi, tu ne sers qu'à faire ça. Avec du Harden Signalium ou alors du Sand et du bloc ou du machin et du bidule. Ok. Ou une séparation pour tout récupérer. Ça pourrait être utile par exemple quand on en fait trop. Pour pouvoir récupérer les différents objets. Sachant que je suis certain qu'on va avoir une version aussi pour... pour le reste. Et voilà. Alors, le slag, non, on n'en veut pas. Signalium redstand. On va mettre leur dictionary. Oups, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on va virer le slag. Hors dictionary. Comme ça, le send, le redstand, même combat. Parce que des fois, ils balancent du redstand à l'intérieur quand je fais du redstone furnace. Donc bon, soit. Toi, tu vas là-dedans. Vous deux, vous allez là-dedans, là-dedans. Toi, tu es un craft. Toi, tu vas là-dedans. Et toi, tu es un craft à la main. Donc, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Lui, il va commencer à refaire du basalte. Alors, comme je vous l'ai dit, il le fait un par un. Tant qu'il n'a pas pu tirer un basalte pour lui, ben, le craft n'est pas terminé, donc il ne repopule pas. Donc c'est un peu plus lent, mais c'est fail safe, en gros. On ne peut pas se planter avec ceci. Quoi qu'il en soit, on est prêt, on est bon, je pense, pour la suite. La suite étant quoi? La suite étant soit d'attendre d'avoir notre énergie tout de suite, ce qui pourrait être sympa, mais bon, ça va prendre du temps de faire tout le pétrothéum. La suite étant aussi de commencer le programmeur. Programmeur qui se crafte comment? Le programmeur, si je ne m'abuse, est une machine de PneumaticCraft, qui s'appelle maintenant PneumaticCraft Repressurized, qui nous demande un turbine rotor, un PCB, un turbine rotor, qui nous demande des turbine blades, qui nous demande une chambre de pression, black plastique, qui nous demande du plastique plus du black, le liquide plastique provenant du plastique mixeur. Oui, mais c'est pas ça. Voilà, ici. Thermopneumatic Processing Plant. LPG plus coal, ça nous fait du plastique. Le LPG provenant du Thermopneumatic Processing Plant de gasoline en LPG ou bien de la raffinerie qui provient de l'huile. L'huile provenant d'Amadron. Une émeraude étant égale à une huile pour Amadron. Sachant que l'huile, on peut pas la dupliquer à première vue, hein, même sous forme de beckett ou quoi que ce soit. Donc il va nous en falloir. Il va nous en falloir un peu. Ça va être notre Amadron tablette qui va bosser principalement. Mais bon, ça, hein, on en a eu une pour. Alors, revenons ici. Notre Amadron tablette, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Prenons un tank. Prenons un tank et prenons-le bien. Voilà, on va même en faire deux par sécurité. Ah oui, alors il nous faut du glace aussi. Glace. Ce qui tombe bien parce que les abrutis là, ils n'utilisent pas le glace. Le furnace. Donc, tank. On pourrait très bien faire un autre type de tank. Hein, un Singularity Tank, je sais pas si ça existe. Un Black Hole Tank. On était théoriquement, hey, on pourrait faire un Black Hole Tank qui nous demanderait beaucoup plus de trucs. Et j'hésite, hein, j'hésite. Bon, pour le moment, on va vraiment faire un Portable Tank. Et il nous faut un chest. Alors, tant qu'on y est, hop, un chest que l'on va monter directement en Iron Chest, que l'on va monter directement en Gold Chest, que l'on va monter directement en Diamond Chest. Et il nous manque du glace, hein. Même problème. On va en profiter pour faire un Hardened Upgrade Kit pour augmenter la taille du Portable Tank. Qui pourrait... Non, c'est bon. Hop. On avait dit aussi le glace pour terminer le Diamond Chest. Parfait. Et nous allons nous mettre dans un petit coin pour les livraisons à Amadron. Alors, moi j'aime bien Amadron. J'adore Amadron, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir d'en haut. Alors lui il va être chiant parce qu'il s'est rempli ce con. Alors, si je te change en empty, que je reprends tout ça, parfait. Donc mon tank est vide, ok. Lui il est à 20, maintenant je l'upgrade et il est à... Combien? Il est où? Il est là et il est à 20. Pourquoi est-ce que tu possèdes de la creuse sur toi? Mais ce n'est pas toi que je veux. Mais il est où? Mais il est où ce tank? Mais sérieux, il a disparu. Pas bien ça. Pas bien du tout. Ah non, je sais, c'est lui qui l'a chopé. Ah putain, ouais, ça va être chiant ça. C'est le range collector qui l'a chopé et vu que du coup c'est pas une tête ou un os, il l'a jeté. Eh, c'est chiant ça. Alors, c'est pas grave. Un tank. On va en refaire un. On va refaire du glace. Est-ce que si il nous en faudra donc 9. Start. 1, 2, 3. C'est quand même bien d'être dans un skyblock où on s'en fout complètement des ressources limite. Hein. Parce que... bah parce qu'on s'en fout complètement. Il y a des gens qui seraient là. Ah putain, j'ai claqué 2 diamants pour cette merde. Ça marche pas. C'est quoi ces conneries? Chat de canard remboursé. Bah non, en fait non, on s'en fout parce que... on a besoin de diamants. Bah c'est pas grave, on en craft. On a besoin de quoi d'autre? Ah c'est pas grave, on s'en fout, on en craft aussi. Voilà. Ça va plus vite de se dire ça. Oui, bah oui, mais ça m'explique pas où est-ce que je pourrais faire venir mon petit drone, moi. Alors déjà... ça, on peut le casser. Voilà. Ensuite, on peut aller manger parce qu'on va se prendre des dégâts de faim. À avoir tout cassé. Alors, baguette. La baguette. Hop. Hop. Parfait, ça se pète, tu dégages, tu sers à rien. Hop, ça et ça. Maintenant, on prend notre tablette et on fait clic droit sur le tank. Et on fait clic droit sur le chest. Maintenant, il sait que lui, c'est pour recevoir du liquide. Lui, c'est pour recevoir et envoyer des objets. Lui, c'est pour recevoir et envoyer du liquide. Donc, si j'arrive ici, que je regarde mon Amadron tablette. Amadron tablette, pour récupérer des émeraudes, il me faut soit du diesel, soit du kérosène, soit du lubricant, soit de l'huile. Et nous, on veut pas 5 buckets d'huile pour une émeraude, c'est un peu con. On veut l'inverse, on veut de l'huile pour... voilà, de l'huile pour de l'émeraude. Parfait. On va vouloir aussi différents trucs. On va avoir plusieurs choix. Soit on va passer 11 void cristal en émeraude, soit du papier en émeraude, soit du copper wire en émeraude, des carottes, des machins, des bidules. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Mais moi, ce que je vais vouloir surtout, ça va être soit les patates. Et encore, non, les patates vont pas nous servir. Ce que je vais vouloir, moi, ça va être la zombie flèche. Vous n'avez pas avec la zombie flèche? Non. Ah non. Ok. Alors, sachant qu'on en a avec... on en a avec quoi? On en a avec... attendez voir. 5 émeraudes pour un lubricant et 2 buckets de lubricant, ça donne une émeraude. Ah dommage. L'autre sens aurait pu être... il aurait pu être plutôt sympa. Quoi qu'il en soit. Bien de la wheat. La wheat. Parfait. Comme ça. On va en récupérer un peu plus. Tant qu'on est là. Parce qu'après tout, bah, ça donne de la petite monnaie. L'échange. Et plus on a des brodes, mieux on sera dans notre petite vie. Voilà, parfait. Retournons ici. On va charger notre machine avec toute la wheat qu'on a. On va commander les émeraudes. Hop. Ça, tu me mets le max. Alors, 5, c'est bon. 7, 6, c'est suffisant. Ok, 6. Hop, order. C'est parti. Lui, il va venir chercher la wheat. Il est où le petit drone? Il est où le petit drone? Il est où le drone? Il est où le drone? Il va venir de où? 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 Il n'est pas encore passé. Il est là. Coucou. Vole vers le ciel. Petite étoile, retourne d'où tu viens. C'est complètement con. Et il en a pas oublié un petit peu, lui. Eh, petite étoile, ramène-moi aussi les petits diamants, les petites émeraudes, s'il te plaît. Tu seras gentil. Hop. La petite émeraude. Ça nous en fait 6. Parfait. J'ai une petite question. Les émeraudes, comment ça se craft? Ça se craft avec... Ah bah ça se duplique en plus. Ouais mais ça coûte cher à dupliquer. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dire bonjour monsieur le... Bon, à part en revendant des trucs. Ah, 9 golden god pour une émeraude. Ouais, c'est plutôt intéressant ça par contre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire bonjour monsieur le PNJ? Est-ce que je peux te casser les dents, s'il te plaît, avec amour et respect? Toujours dans le respect. Toujours casser les dents dans le respect. Voilà. Parce que là, on s'en fout, on est déjà plein. On est déjà full, en fait. Du coup, là-dedans, on doit être full aussi. Du coup, là-dedans, ça doit bloquer. Du coup, on va prendre un stack pour débloquer. Et une fois que c'est débloqué... Voilà. Ça a pompé l'or. Maintenant. Toi. Je veux du gold. Je veux plein de gold. Parce que je veux plein de... Petite émeraude. Parfait. Reprenons de l'émeraude. Ça nous coûte moins cher quand même. Je suis sûr que si on faisait le calcul, ça nous coûterait moins cher. Alors, il est où l'échange avec le gold? Il est où l'échange avec le gold? Je l'ai vu. Gold. Mais, Amadron, tu m'aurais menti? Tu vends une émeraude, tu bois... Amadron, tu m'as menti. Oh la honte. Oh la haine. Sacripant. Bon, c'est pas grave. Et ce n'est pas grave. De toute façon, hop. Ça, c'est pas grave non plus. On a déjà suffisamment de tout ce qu'il nous faut. Donc 6 émeraudes. Ces 6 émeraudes, on va en faire quoi? Eh bien, ces 6 émeraudes... On va en faire des trucs. On va acheter de l'huile pour ça. Et toi, tu vas mourir. Et je sais pas d'où tu viens. Et on va aller chasser tout de suite l'endroit où tu pourrais venir. D'ici, tu dois venir, toi. Ouais, c'est ça, tu viens d'ici. Ok. Donc. De l'huile. De l'huile. Hop, on va commander 6 buckets d'huile. D'huile. Hop, je ne sais pas si ça sera suffisant. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Order. Parfait. On va voir le petit drone qui va venir, qui va faire... Il va faire des vidéos. Des vidéos avec Cyril. Vole vers le ciel, petit ange. Vole, vole vers ton chemin, vole vers la vie. Vole, il est mort. Et il est où ton pote? Oula, il est déjà là. Il s'est TP. Il s'est TP, la shit. Alors. Donc maintenant qu'on a de l'huile, eh ben c'est cool. Il va nous falloir de la TNT. De la TNT. Pourquoi? Eh bien, pour faire de la dynamite. Non, plus sérieusement, on n'a pas de tiny TNT qui existe encore là. C'est pas, il y a des tiny patates, mais il n'y a pas de tiny TNT. Bon, alors Angel Ring, non, Angel Block, oui, voilà. La TNT, on va la faire exploser. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, la TNT va nous permettre d'obtenir du fer compressé. Du fer comprimé. Pour obtenir du fer comprimé, il faut le comprimer. Et pour le comprimer, soit on utilise une chambre de compression, soit on le fait péter avec de la TNT. Et à ce moment-là, eh bien, ça fait autre chose. Alors, un levier. Levier. Voilà, parce que la TNT... Bon, je vais arrêter avec ça. La TNT, il va falloir la... l'activer, fatalement. Avec un petit levier. Donc, toi. Et non, reviens pas, reste en bas. Reste à ta place. Voilà, la TNT, elle a pété. Tac. Et on obtient des compressed iron ingots. Et je sais pas pourquoi est-ce que la plateforme n'a pas pété. Enfin bref. On a récupéré un peu moins d'iron ingots compressés que d'iron que l'on a mis. Hein, on en a perdu un peu au vol. Mais ce compressed iron ingot va nous permettre de faire des choses de PneumaticCraft. PneumaticCraft. Voilà. Ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Premièrement, ce qu'il va nous falloir, eh bien, ça va être un outil nous permettant d'obtenir, eh bien, de la pression. Soit on va utiliser un air compresseur, soit on va utiliser un liquide compresseur, par exemple, qui va nous demander aussi un air compresseur quand même, mais lui va nous permettre de générer de la pression par rapport à un liquide. On va aussi avoir, normalement, des compresseurs. Alors, voilà, compresseurs qui nous permettent d'avoir des électriques compresseurs, par exemple, avec Industrial Craft. On lui colle du IC2 à l'intérieur et ça nous fait ce qu'il nous faut. Mais ça va nous demander un peu plus, donc on pourra pas. Faut commencer par faire eh bien l'air compresseur basique. L'air compresseur basique se craftant comment? Se craftant comme ceci. Avec un peu de glace, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire au moins... Je vous entends gueuler déjà d'avance. On va faire au moins le début du système. C'est-à-dire le système plus la progression du système. Donc, en gros, de quoi faire de l'air comprimé. Ressources générateur, on en a encore un. Parfait. On a encore un item frame ou pas encore? On en a plus, c'est pas grave. On va faire aussi un wireless. La ref generator. On en a plus? Bah si, ils sont tous là en fait. Ok. Hop, parfait. Tout ceci va nous permettre, avec des petits pressure tubes. Parfait, que l'on va en crafter en assez grand nombre. Ainsi que des pressure chambers. Sur le chamber, on devrait tomber sur les trucs. Il va nous falloir des murs. Mais il va aussi nous falloir une valve. Alors, de préférence une, pas quatre. Parfait. Il va aussi nous falloir des on-off. De préférence deux. Un pour faire rentrer les objets, un pour en faire ressortir. Et donc, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour nous faire un début. Alors c'est un tube, enfin, un pipe, c'est un tube, un début. Ce que j'aimerais bien, ce serait un pressure gauge tube module. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que ça va nous permettre de savoir quelle est la pression actuelle dans le truc. Ce que j'aimerais aussi, ce serait voilà la pression du tube. Ce que j'aimerais aussi, ce serait un tube safety module tube, voilà celui-là. Voilà, tac, tac. Le safety module tube va nous permettre, comme son nom l'indique, de faire de la sécurité. On va y arriver. Un de levier. Tac, tac. Quand un tube va arriver à une certaine puissance, eh bien ce qui va se passer, c'est que le safety module tube va dire non, stop, c'est bien comme ça, on touche plus. Et en gros, il va sauver l'affaire parce qu'il va dire non mais tu arrêtes de cuire par exemple. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est empêcher l'air comprimé de continuer. Ça peut être une solution. Donc, pour ceci, un item frame ici, le wireless RF qui va l'alimenter, et tu vas nous faire du charcoal. Ce charcoal, tu vas le stocker dans le air compressor qui va comprimer de l'air. Pour le moment, il va comprimer l'air dans le vide parce qu'on lui a pas mis de tuyaux, et on va pouvoir lui mettre des tuyaux. Ces tuyaux vont posséder une jauge, on va placer ici, parfait, qui va émettre de la redstone selon la pression à l'intérieur du système. Faisons également, tant qu'on y est tout de suite, notre petite chambre. Alors pas une 5 par 5, une 3 par 3 pour commencer, ce serait bien aimable. Parfait. Alors je sais pas si le fait de mettre un chamber wall ici comme ça, ça va marcher. Hop. Alors on va mettre ici ça comme ça, ici ça comme pas comme ça, ça comme pas ça. Voilà, in et out. Ok, on va refaire des chamber wall parce qu'on n'en aura pas assez. Wall, wall, s'il te plaît. De toute façon, on l'augmentera au fur et à mesure. Quand on aura besoin, on l'augmentera. Alors, pressure chamber wall. Ça devrait être un multibloc qui ne se forme pas parce que bah, du coup, c'est pas comme ça. Ça va plutôt être l'inverse, c'est-à-dire comme ça. Et là, il devrait se former normalement, ce con. Pourquoi il ne se forme pas? Il y a un problème quelque part. Il y a un schmilblick. Ok. Arrête-toi déjà. Non mais arrête-toi. Voilà, ne fonctionne plus s'il te plaît. Tu te fais du mal et tu nous fais du mal et tout le monde se fait du mal. Alors pourquoi est-ce que le pressure chamber roll ne fonctionne pas? Alors c'est un 3 par 3, 4 par 5 ou 5 par 5, structure avec au moins une pressure chamber dans la face, pas sur le bord ou sur les trucs. Pressure chamber valve qui est là, ok. Donc là, normalement, il devrait être formé. On va recommencer. Donc, pressure chamber wall. Une pressure chamber wall. Il nous faut un 3 par 3 ou un 5 par 5. Parfait. Avec une pressure chamber valve. On va la mettre comme ça. Ah, c'était peut-être parce que c'était... Ok, peut-être que c'est sens sensitive maintenant. Et c'est pour ça qu'ils voulaient pas... Ah, ça c'est nouveau. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, juste récupérer ça pour pouvoir mettre ici. Ici, ça vient de l'extérieur, donc on s'en fout. Ça comme ça, et là... Ah, le multibloc se forme, parfait. Maintenant, on va pouvoir lui mettre la pression. Littéralement. Donc lui, il nous émet 2 de redstone. Lui, il nous émet 2 de redstone. Enfin, la pression x2 en redstone. On va vouloir l'arrêter, lui, dès qu'il reçoit un signal. Donc c'est là où tout va se jouer. C'est là où il va falloir calculer. Donc, lui, on veut qu'il monte jusqu'à 5 bars. 5 bars, ce qui signifie que la pression doit être égale à 5. Donc, on va de recevoir 10 bars. On va recevoir un signal de 10. Autrement dit, si je posais un truc ici, comme ceci, il me faudrait un chemin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc on est trop loin. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors non. 1, 2, on va y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ça fera du 4,5. Bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, vous savez quoi? On a du Ménril. On va arrêter de se faire chier. Voilà, un épisode un peu plus long, mais c'est pas grave. On va arrêter de se faire chier. Avec tout ça. On a du Ménril. On a tout ce qu'il nous faut. Donc c'était Integrated Dynamics. On va vouloir une énergie batterie. Parce qu'on va avoir besoin d'énergie stockée. Hop. Énergie batterie. Parfait. Cette énergie batterie va recevoir de l'énergie d'un wireless. Bref. Transmitter. Parfait. Et on va stocker ça ici. Tac, du coup on peut faire un chemin direct, hein. On n'est plus obligé de... Voilà, hop. La puissance sera gérée directement par notre bousin. Qui dira si oui ou non il faut continuer à faire tourner. Voilà. Ici, on va lui mettre la valve. Parfait. Du coup, lui va gagner en pression. Ok. Ici, tac. Toi, tu reçois de l'énergie maintenant. Ok. On va faire des... Alors, c'est dans At Integrated. Je me souviens jamais des noms d'Integrated Dynamics. Il va nous falloir donc des Logic Cables. Parfait. Que l'on va obtenir en refaisant un petit coup de truc là. On peut pas faire un mécanical presse. Juste comme ça, pour rire. Ça pourrait pas être sympa. Histoire de pouvoir avoir des blocs relativement facilement. Alors, ok. Bon, il va déjà falloir faire un peu de coup de presse là-dessus. Tac. Alors, il va nous en falloir 4, hein. On se fait pas avoir ce coup-ci. Quand même, je ferai même un peu plus, moi, perso. Allez, 1, 2. Trois. 4. Et puis le petit dernier, ça c'est juste pour être certain d'avoir suffisamment de chunk. Parfait. Parce que là on va avoir un peu de chunk, mais c'est pas obligé quoi. Hop, 4. Et avec la résine qui reste, on aura tout ce qu'il nous faut. Vas-y. Vas-y, je t'attends. Vas-y, je t'attends. 5, parfait. Hop. Maintenant. Des wireless batteries. Il nous en faut 2. 2. Parfait. Ici, il nous faut tout ça, ainsi que la presse. Hop. La presse. Et on obtient un Mechanical Squeezer. Parfait, Mechanical Squeezer que l'on va placer ici. Avec de l'énergie. Et on va pouvoir lui placer ça. Est-ce que ça va marcher? Là est la question. À mon avis, ça doit être dépendant du nombre d'énergie qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et lui maintenant, on va lui donner aussi le Mechanical Drying Basin. Parfait, donc lui il va extraire à l'intérieur du Mechanical Drying Basin le liquide. Liquide qui va être extrait ici, qui va être transformé normalement, non ? Et je pense plutôt que ce sera un drying basin de base. Hein. Là, ça se casse pas avec ça, ça. Ça se casse à l'axe. Ah oui, bien joué. Voilà, le drying basin qui va venir par là. À la place. Tac. Tac. Parfait. Puis là, on va mettre un importeur. Parce que c'est du importe quoi. Importeur. Il doit être en train de crafter. Voilà, qui a fini de crafter. Avec des cables. Ouais, ce sera un double épisode aujourd'hui, je pense. Hein, les enfants, ce sera pour me faire pardonner d'avoir beaucoup avancé sur les autres constructions. Vous aurez le droit à un double aujourd'hui. Parfait. Lui aussi, on aura besoin d'un d'ailleurs. De importeur. Parce qu'il fait des petits mineral chunks. Et donc, il ne faudrait pas que ce soit coincé. Et ouais. Alors toi par contre, est-ce que tu avales un jour ou... Tu fais quoi toi? Tu touches ou c'était un faux? Alors, importeur. Un autre importeur qui va venir ici. Pas si ça marche. Non, ça ne marche pas. Ouais, tiens, tourne-toi vers moi toi. Donne-moi ma pique. Parfait. L'importeur qui du coup va venir comme cela. Ok. Alors lui je sais toujours pas pourquoi est-ce qu'il veut pas pomper le truc. Peut-être que c'est pas le bon côté aussi. Ça peut arriver. Toujours pas de mon côté. C'est peut-être par en dessous. Ce qui est fort probable. Alors l'importeur qui vient mauvais sens vers le haut. Avec les cables. Ils sont partis en loin. Et lui, il n'importe toujours pas. Et lui non plus, d'ailleurs. Hein. Pour autant qu'on se le dise, lui n'importe rien non plus. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Alors. Est-ce que c'est un problème d'énergie? Non. C'est un problème de machine, probablement. Bon, c'est pas grave. Et c'est pas grave, on aura essayé. On aura essayé. Même si, bon, sur notre ton, on marquera « il avait essayé », ce qui est complètement con. Hein, parce qu'en général, bah, on essaye de pas essayer. Voilà, hop. On fera avec. Donc, toi, je te retourne dans le bon sens, maintenant. Ce que je vais vouloir... ça va être des câbles. Voilà, des logic cables. Sans vouloir, on va pas dire trop, on va dire un peu plus quand même. Ouais, up, stick, logic cable. J'en vouloir 9 pour le moment. Je veux aussi vouloir du coup dans Dynamics. Dans Integrated Dynamics, je vais aussi vouloir. Alors non, pas l'énergie batterie, c'est bon. Le variable store. Tiens, continue à presser toi. Voilà qu'on y est. Parce que toi, ta récipice avec le drying machine et le mécanical. Alors pourquoi est-ce que le mécanical, il veut pas? Vu que tu as du mineral résine. Tu devrais fonctionner. Mécanical. Le mécanique 2. Bon alors c'est la hache. Ah bah si, là il marche. Ok, très bien. Il voulait pas, maintenant il veut bien. Bon, soit. Continue à me presser, toi, c'est très bien. Hop, maintenant, à nous deux. Je vais vouloir un variable store, comme je le disais. Je vais aussi vouloir un logic programmeur, mais une version portable, si possible. Donc est égal à programmeur, crafting table, raté, programmeur, crafting table, des planches, alors du bois, hop, hop, maintenant un programmeur, parfait. Un portable, alors le programmeur. Je vais vouloir des variables store. Machin comme ça. Parfait, on va en faire 48. C'est toujours utile. Input, output, transformer. Bon, pour le moment, ça, on s'en fout. Venons relier notre système. On va vouloir faire plusieurs choses. Premièrement, on va vouloir venir ici. Comme ceci. Tac, et comme ceci, tac. On va vouloir ici lire notre redstone. Une fois qu'on va atteindre un power de 9, on va arrêter le truc. En théorie, il devrait avoir suffisamment d'énergie pour quasiment arriver à 5. Ce qui devrait être cool. Donc, pour cela... Pète pas à toi, hein. Là-haut. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une redstone reader. Parfait, qui se craft avec un piston et une sticky résine, ce qui tombe bien puisqu'on a du rice ball. Mais on n'a plus de bois, ce qui est extrêmement chiant quand même. Parfait, piston... Un bloc de redstone ou deux parce que on va pas en avoir assez. Sticky piston. Ok. Il nous faut donc un input variable avec un redstone reader et un redstone writer. Parfait. Comme ceci, ce qui nous demande un piston, tac. Piston c'est bon, maintenant ça, tac, comme ceci. Et le writer qui vient comme cela, parfait. Nous avons donc un moyen de lire de la redstone et d'émettre de la redstone. On va dire un truc simple, ça va être extrêmement simple, vous allez voir. Il n'y a pas plus simple que ça. Alors là il va falloir faire gaffe. Il va peut-être falloir baisser un peu de pression parce qu'on atteint un niveau critique. Voilà. Hop, on est redescendu à 4, c'est très bien. On va poser un redstone reader ici. Donc lui, son but, ça va être de lire la redstone. Lui, son but, ça va être d'écrire dans la redstone. Il va nous falloir notre énergie batterie, mais aussi notre variable store, pour stocker nos variables. Avec notre programmeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que lui, on va avoir besoin de deux variables. On va vouloir ici une lecture de la redstone, de son niveau actuel. Je vais nous renvoyer un entier. Lui, on va vouloir... On va vouloir un integer. Type integer. On va mettre 10. Et on va stocker ça dans une nouvelle variable card. Parfait. Et on va lui dire tout simplement if. Donc là, c'est un truc de if. Si cette valeur-là est égale à 10, alors tu nous fais ça. Oui, integer, Et où? Là, le égal. Ok. Si ça est égal à ça, alors tu nous fais une variable. Parfait. Donc on met les deux à l'intérieur et lui on va le mettre dans l'émission de Redstone Strong Power. Ok. Full Redstone Signal if true. Hop, là-dedans. Donc là c'est true parce qu'on est à 10. Si on regarde ici, 5,32 bar, on est à 10. On lui a dit si tu es à 10, tu émets de la redstone. Donc il émet de la redstone. Et lui normalement est censé s'arrêter sur un signal. Voilà. Ce qui va désactiver le signal sur un signal haut. Et donc là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. On va faire un petit test. Prenons par exemple un stack ou deux d'iron. On va le placer à l'intérieur. Ah oui, il faut le placer avec des putains de... J'avais oublié ça. Ici c'est la sortie. Et un truc qui vient de péter. Ok. C'est parfait. C'est parfait. Mon plan fonctionne à merveille. Compresseur. Ok. C'est pas grave. Ce n'est qu'un contretemps. Un léger contretemps. Voilà. Lui va reconstruire de la pression. Lui va être false. Donc lui va permettre à lui de fonctionner. Il ne reçoit pas de redstone lui normalement. Qu'il n'en émet pas. Donc on peut lui mettre ça. Et il va commencer à consommer. Parfait. Donc lui va générer de la pression, on peut le voir, jusqu'à ce qu'il arrive à 5, et d'ailleurs on est con, que plutôt que de le mettre à 5 lui, on devrait le mettre à, enfin plutôt que de le mettre à 10, on devrait le mettre à 9, et oui. Voilà, normalement on l'a juste changé, ça devrait quand même être bon lui, il ne devrait pas avoir de problème, variable 8 et 9, parfait. Donc maintenant, quand c'est égal à 9, lui, il se calme. Donc autrement dit, ça va pas être à 5 qu'il va se calmer, ça va être à 4,5. Donc en gros, il va terminer son bout de bois, puis ça devrait le faire arriver vers 5. Tranquillement. En attendant, on devrait pouvoir ici rajouter 2 ou 3 trucs. Par exemple, dans l'item filter, on devrait pouvoir lui dire de filtrer. Alors normalement, je crois que c'est avec des mots aussi. On peut changer le type de filtre. Voilà, ici en compressed. Voilà, donc autrement dit, il va essayer de me retirer tous les compressed iron. Lui, il va nous falloir juste un hopper. De préférence un omnidirectional hopper, parce qu'ils sont plus classe. Un chest. Voire même 2 chests. Voilà. Et on va se quitter là-dessus parce que ça nous fait déjà notre double épisode qui est bien rempli. Hop, on se met ici. On place le hopper à l'inverse. Voilà, c'est-à-dire ici. On place ici le chest, ici le hopper. Et on le fait tourner avec la wrench. Je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. Ça sonne timer peut-être. On espère. Alors un shift-click ça fait tourner le bas et un clic simple ça fait tourner le reste. Donc nous on va vouloir dans ce sens là, parfait. Si je lui mets maintenant, oh putain pas ça, si je lui mets maintenant ça, lui va arriver à une certaine puissance. Qui va me permettre de faire des compressed iron. Sachant que le compressed iron a besoin d'une chambre de pression à une puissance de 2. Donc, en théorie, ça devrait être bon. En théorie, on devrait récupérer assez rapidement les trucs. Voilà. Alors, il charge, il termine et il ouvre, il balance à l'intérieur. Pas assez de pression à l'intérieur de la chambre. Ok. La chambre étant à 3 de pression, tu te fous de ma gueule en fait. Ah, il n'y a pas assez de pression pour bouger l'item. Ok. L'item ne bouge pas parce qu'il n'y a pas assez de pression dans le truc. Bon, quoi qu'il en soit, là ça devrait marcher. Lui va couper automatiquement. Va le couper automatiquement lui. On pourra le voir quand il arrivera là. Si jamais on voulait, on pourrait le descendre à 6 pour que ça fonctionne dès maintenant. Mais bon. Voilà, le fait étant que ça marche, c'est très bien. On va rajouter peut-être une petite window ici. Je sais pas combien ça va me coûter. J'espère que ça va pas trop coûter cher, ou en tout cas que ça va être rapidement à faire. Chamber. Pressure chamber window. Bon, ça va. Pressure chamber glass, ça coûte rien. Hop, on va juste faire ça. Et ça. Voilà, comme ça on voit l'intérieur du bousin. D'ailleurs, lingots, on pourrait même faire un truc. Alors, la technique de filou revient à faire ceci et à faire cela. Pourquoi? Parce que l'iron est déjà à l'intérieur, on voit que ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Tout marche bien, lui il attend. Alors, on ne sait toujours pas pourquoi il veut pas... Il veut pas se lancer. Mais c'est pas grave. Quand il aura décidé, ben ça marchera. Enfin bref, quoi qu'il en soit. On voit ici que on a la barre à 2, puisqu'on avait dit que pour faire les trucs, il nous fallait du 2. Ah oui, 8 blocs de colle, ça nous fait un diamant à 4 aussi. C'est pour ça que c'est plutôt intéressant de rester là. Voilà, là, on peut faire un iron ingot, un compressé iron ingot à partir d'un iron ingot à 2. On peut aussi faire la version en bloc. On peut aussi faire des turbine blade, donc ça va nous intéresser. Des empty PCB avec du ring plastique et du compressed iron, du etching acid bucket, ça va nous intéresser pour le début du PCB, transistor, très important, capacitor, très important, les diamants, voilà, on a fait le tour en fait, et donc du coup, on va arriver à 1 de pression, j'ose espérer bientôt, pour être sympa que ça se maille un peu plus. Et on a dû perdre l'item frame au vol hein, avec l'explosion là. Voilà, donc on va le bloquer lui, ce sera pas plus mal. Hop. La pression qui augmente et quand elle sera arrivée, bah, ce sera bon. Donc, on va se quitter là-dessus les enfants, c'était Chad. Je vous fais des gros bisous. C'est la fin de cet épisode spécial PneumaticCraft. Voilà, un épisode où on a fait beaucoup de PneumaticCraft. Un épisode plutôt sympa. On se retrouve dans le prochain épisode, probablement avec suffisamment de pression dans le système. Pour faire quoi? Pour faire le refiner. Il va nous falloir 3 étages de refiner, ce qui peut déjà être fait, de refinerie. 4 refineries. Ce qui va nous permettre de transformer l'huile en diesel, LPG. En diesel, kérosène, gasoline et LPG. Voilà. Le diesel peut être utilisé pour faire dans du lubricant. Lubricant qui peut être utilisé pour être revendu. Ou qui peut être utilisé pour le diesel. Alors attendez. On y retourne. Le diesel qui peut être utilisé pour faire cuire des trucs. Voilà, alors utilisation du diesel, voilà. 1 million de RF dans une compression dynamo, ce qui est pas dégueulasse. Ou du lubricant qui peut être utilisé pour être revendu. Voilà. On va aussi avoir du LPG qui peut être revendu. Et qui peut être utilisé pour faire 2 500 000. Ou du plastique, donc le LPG on le garde. Mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être le kérosène, par exemple, qui lui va pouvoir faire 1 500 000, qui nous servira juste à faire de la gasoline, gasoline qui nous sert à faire du RPG, RPG qui nous sert à faire du plastique. Donc en soi, on va pouvoir repasser par un cycle derrière, qui va nous permettre d'obtenir du LPG en plus. pour obtenir du kérosène, du gasoline et du LPG. Par contre, je ne pense pas que le diesel puisse être transformé en quelque chose d'intéressant à part les lubricantes qui se revend. Voilà. Ou pour faire des speed upgrade. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, les enfants, c'était Chad. On arrive aux deux bars. On va peut-être voir la machine se mettre en œuvre. Juste avant. Attention, 98, 99. Deux bars. Et pop. Vous ne l'avez pas vu, mais... Voilà, ça transforme petit à petit les objets. C'est juste qu'ils sont en train d'être transférés à l'intérieur de la valve, puis à l'intérieur du chest. Et ouais, et vu que la valve, à chaque fois qu'elle bouge, bah, elle fait perdre un peu de pression. Et bah du coup, voilà. Donc c'était Chad, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt.